De l'Islande où Andal Pezera dévoile son salaire pour l'émission. Un joli chèque. Retraité en 2002 après une très belle carrière au plus haut niveau, Andal Pezera n'a pas hésité à arpenter les plateaux de télé-réalité. L'ancien patineur professionnel faisait partie du casting de Koh-Lanta Le Choc des Héros en 2010 et a été l'un des coachs de la première saison d'Ice Show 3 ans plus tard. Plus récemment, il a participé à la première version de The Island Célébrité sur M6. Interviewé dans l'émission de radio Tout peut arriver sur Voltage, l'ancien sportif a révélé le salaire qu'il avait touché à cette occasion. Andal Pezera a expliqué avoir perçu 20 000 euros pour sa collaboration à The Island Célébrité. Et la star a continué l'entretien sans langue de bois en faisant une petite comparaison. M6, c'est pas TF1, il paie à coups de lance-pierre donc j'y suis pas allé pour ça, a-t-il assuré. Et puisqu'il a connu les tarifs proposés par la première chaîne française, l'ancien athlète ne s'est pas privé de poursuivre ses révélations. Ils ont plus de budget, ils peuvent aller au double, a-t-il avoué lorsqu'il a évoqué son passage dans Koh-Lanta Le Choc des Héros. En affirmant qu'il n'avait pas du tout négocié son salaire avec TF1, Andal Pezera a souligné qu'ils viennent chercher une image pour faire la promotion du programme. L'ex-roi des patins sait en tout cas se servir de sa notoriété.